Alors qu'on se dirige vers le sud de l'Allemagne, on traverse un petit bout de l'Autriche. Sur la route, on voit au loin un pont suspendu. On est obligé de s'arrêter pour aller dessus. En plus, on a un temps de fou. J'adore parce que c'était pas du tout prévu, quoi. Pour accéder à ce fameux pont, on peut soit emprunter des chemins de randonnée, soit opter pour un téléphérique, mais qui est payant. Ah, je suis où ça bouge. Comme ça, hein. Même si je tombe, tu tombes, je tombe, genre. Et genre, on se tient la main, mais en tout moment, quoi, c'est ce que je veux dire. Waouh. On apprend qu'on est à 114 mètres du sol. Je peux vous dire que c'est assez impressionnant. De l'autre côté, on a alors une belle vue sur les ruines du château d'Ehrenberg qu'on peut d'ailleurs visiter. Pour le retour, on a le choix entre descendre par des chemins de promenade ou alors traverser à nouveau le pont pour rejoindre le téléphérique. C'est d'ailleurs ce que nous avons fait afin de profiter encore de ces sensations vraiment sympas et de cette vue incroyable.